Pour cette saison sur FIFA 23, je vous présente le site FIFA Coin. Vous arrivez sur le site et vous mettez les crédits FIFA 23 et là vous avez la possibilité d'acheter autant de crédits que vous voulez. Avec mon code PSYCHO, vous avez 5% de remise sur votre commande. N'hésitez pas à aller faire un tour, le lien est dans la description les potes. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. Les potes, on va quand même aller ouvrir nos packs hein. Parce que bon, c'est bien de nous faire faire des discards, mais laissez-nous ouvrir nos 13 packs qu'on a en boutique quand même. Non mais allez, petit pack joueur mélangé, on prend. C'est le pack qu'on vient de recevoir là avec un petit défi, mais rien de ouf. Du coup, allez, ciao. Est-ce que tu vas continuer les vidéos pour bien commencer eSport 24? Ouais, bah oui, je vais commencer. Après, je suis pas sûr de faire toute l'année, mais commencer, oui, je suis curieux d'aller voir. Après, je pense que je prendrai ma retraite FIFA sur cette année-là. On sait jamais ce qui peut arriver, mais normalement, oui, dans le programme, c'est aller voir ce que ça donne. Mais après, voilà, moi, j'ai plus rien à faire. Moi, j'étais youtubeur FIFA, maintenant, c'est eSport FC. Je trouve que la transition serait pas mal. D'autant plus que, voilà, j'ai mes autres projets maintenant derrière. J'ai envie de... Voilà, on verra. Alors là, on avait dit que c'était les packs de draft ici. Vas-y. Est-ce qu'on va être récompensé sur les deux drafts qu'on a joué pour récupérer ça? Oh, Ibra. Oh, Ronaldo. Oh, non. Il y a Ronaldo, non? Je sais plus. Rafa. Ok. Rafa, on prend avec un petit pack prêt. On s'en fout. Et puis ça, c'est vendable. Donc, on va vendre les deux, bien évidemment. Pack or rare. Allez, deuxième pack de la draft. Je crois que c'est la draft gagnée, ça. Est-ce qu'on va être récompensé d'une draft gagnée? Brésilien, NDC? Bah non, hein. Malheureusement pas, hein. Fernando. Pas forcément bien ouf, hein. Ouais, on a gagné une draft pour Fernando, on n'est pas forcément super refait, je t'avoue. Et là, on va arriver sur les gros packs maintenant. Là, je crois qu'il y a que des 83-84 plus, quoi. Ouais, c'est ça. Vas-y. Bon, on va dans l'ordre. Hein. Allez, 3 joueurs 85. Let's go. Oui. Happy birthday. DC. C'est pas ouf, je crois. Vergorst. Et deux, Berardi et Vergorst. Deux joueurs 83 plus. Ouais, de toute façon, il faudrait qu'on récupère des joueurs parce qu'on veut faire le SBC icône. Donc, il nous faut des grosses notes. Hein. Ouais, pourquoi pas MC Modric. Let's go. Très bien, ça. 88 Modric. Très, très bon. Tant qu'on fait de la grosse note, ça nous va. C'est ce qu'on a besoin dans notre club pour pouvoir refaire des petits SBC. Surtout les plus gros à l'heure actuelle. Vas-y, trois joueurs 84. Ok, c'est Europa League. Français, AG. On connaît le petit Martin Terrier. Mais les gars, let's go. Pays-Bas. DC. Mais non. De Ligue 90. Mais c'est bon, les gars. On fait de la note ici. Alors ouais, ça tombe beaucoup parce que c'est des joueurs qui valent plus rien en vrai, tu vois. Mais derrière, ça fait plaisir d'avoir des petites notes et de pouvoir faire des SBC. Allez, Kroos, premier. 88. Doublon. Vas-y. On récupère ce 84 fois je ne sais pas combien. Ça nous permettra peut-être de faire encore des SBC de folie. Bien évidemment, c'est le but. Allez, c'est un joueur 84. Là, c'est obligé d'être une folie. Ah non. Derrière. Ok, 87 Rodri, on prend. Tant que c'est animé, on se plaint pas, les gars. C'est tout ce qu'on veut, nous. Hein. C'est de l'animation. Oh, et puis deux joueurs spéciaux, Wirtz et Fabio. Inutile, bien évidemment. Mais voilà, prochain pack, c'est 90 plus sûr. 5 joueurs, 85. C'est possible. Allez. Je crois pas qu'il y a d'énormes joueurs dans cet event-là. Ouais. Smith Rowe, après, ça peut cacher d'autres notes, mais... Ah ouais, non, c'est éclaté. 86 meilleurs joueurs, alors que c'est... Ok, vraiment dégueulasse. Mais bon, pas de doublon. On prend. Vas-y, 7 joueurs, 84. C'est celui qu'on a fait par les drafts. Allez, animé, anglais, MDC cette fois-ci. Ok, c'est Philips 87. Ça peut cacher les notes derrière normalement. 88 Ter Stegen derrière. Ouais, c'est pas fou, hein. En vrai, c'est pas forcément fou, hein. Après, voilà, c'est de la note. Mais bon, 10 joueurs 84, là, va falloir espérer, hein. Ok, anglais, j'imagine. Ah non, belge cette fois-ci. Défenseur droit, Meunier, bien affreux, 84. Putain, c'est dur. Aïe. Oh putain, c'est gravement dur. Varane ou Rashford qu'on recherche activement. Ok, Tots. Portugais, MD, ça part en SBC. Voilà, João Mario, parfait. Très bon joueur à SBC, hormis s'il a une valeur de fou, mais je pense pas. Voilà, ça partira en SBC. C'est exactement le programme qui était prévu. Quand tu fais un SBC Tots, parce que tu sais que de toute façon tu vas le rebalancer dans un SBC, ça prouve à quel point tu sais que ce SBC est nul. Hein. Allez! Le pack d'une vie, les gars. Icône, Totti, Fut Birthday, Titan ou Métamorphosé. Franchement, ça, ok. Là, je suis content. C'est un beau pack icône. Maintenant, faut espérer avoir du lourd. Bah, tu sais quoi, vas-y, non, tu sais quoi, on va faire un cache-tate avec la tronche de Garou. Allez, les attributs de la première. C'est un titulaire qui fait des tacles. Pas te mentir, pas ouf. Physique 74, bizarre. Défense 91, ok. Donc, un gros MDC, j'imagine. Ou latéral. Dribble 88, passe 88, tir 73, vitesse 88. C'est éclaté au sol. Probablement un des... pire, j'imagine, qu'on peut avoir. Deuxième, tireur de loin, passe longue, coup franc puissant. Pff, ça me fait pas rêver, hein. 87 de physique, 91 de défense, 80 en dribble, 90 en passe, 89 en tir. Pourquoi j'ai pas le droit au bonheur sur les icônes, en vrai? Dernière icône. Vas-y, c'est bon, j'en peux plus, en fait. En vrai, j'en peux plus. Et la vérité, j'en peux plus, hein. Franchement, c'est le pire choix possible, quoi. C'est de la merde. Franchement,
souffle, quoi. Fin d'année, on n'arrive pas à choper un seul truc cool, c'est dur. Donc les gars, en boutique, 33 packs, c'est des player picks. 32, 80+, c'est un que j'ai reçu en SBC. Et derrière, le but de ces 80+, c'est de pouvoir faire le SBC de Shaqiri, bien évidemment, qu'on va récupérer tous les jours. Et le choix métamorphosé aussi 93+. Donc voilà, c'est ces deux SBC là qu'on aimerait faire. Ça demande quand même pas mal de notes, 88, 86, etc. Pour l'instant, j'ai pas forcément ce qu'il faut dans le club. Donc il faut qu'on récupère des joueurs. Et on a fait ces SBC là pour ça, quoi. Donc du coup, bon, là c'est le premier. Et après, c'est des player picks, 4 joueurs. Franchement, moi je pense à premier abord que c'est très fort, mais j'en ai pas fait encore. Donc on va voir. Bon, le premier c'est un 83+. Ok, 84, on prend. Et là, après, maintenant, là, c'est que les player picks, comme on a dit, qu'on a préparé. 80+. En vrai, à tout moment, on espère chatter un peu, avoir des joueurs qui vont nous permettre de faire des SBC. Et pourquoi pas, bah, une icône. Allez, hein, soyons fous. Allez, déjà 80, tu vois, 86 animations, on est déjà content, tu vois. En vrai, ça, clairement, c'est ce qu'on va rechercher dans ces player picks-là. Hein. Très bien. Pour l'instant, on est bien. Des bonnes notes. C'est pas des joueurs qu'on va jouer, mais ça reste des bonnes notes. 84. On est content aussi. Tout ce qui va être au-dessus de 84, en vrai, on va être content. Hein, parce que c'est un peu les joueurs qui nous manquent de ouf pour faire les SBC. Donc, pour l'instant, on est bien. Pour l'instant, on est bien. On est sur un bon rythme, là. Le premier, un petit peu moins bien avec Angelino ici, 83. Bon, après, c'est intéressant de prendre Vagors doublon, parce que de toute façon, on va faire des SBC. Donc, je vais prendre le doublon ici. Par rapport au fait où, de toute façon, on va faire, c'est pour faire des SBC. Donc, c'est pas pour garder dans le club. Oh là là. On est bien, nous, on est bien, les gars. Là, en vrai, on m'a dit que c'était pas ouf. Moi, pour l'instant, je suis plutôt convaincu. Alors, certes, on n'a pas les top légendes, mais les notes sont quand même assez sympas. Hein. Nunez, 82. Pour le moment, on chatte. Pour le moment, ça va. Lopez. Ok, bon, on prend le doublon Rebic, 87. Mais ça fait un double 87 en doublon. C'est bien. Schlotterbeck. À tout moment, t'as une icône qui tombe là-dedans. Une icône Totti, hein. T'es bien. Hein. Trap, 86, animé. On prend Gulacsi 85, très très bien. Franchement, c'est pas dégueulasse. Hein. 84, on est content. Castils. Par contre, voilà, est-ce qu'on peut faire un joueur de l'événement? Ça, c'est autre chose. Hein. En vrai, les Futis, je crois que c'est vraiment une galère à faire tomber. C'est pour ça qu'ils ont mis. Oh, 88 Ruben Dias, très bien. C'est pour ça qu'ils ont mis beaucoup de joueurs spéciaux. Nul, en guillemets, voilà, comme Gunther, mais ça fait de la petite note, au moins on pack de la petite note et ça c'est cool. Vergors, c'est le troisième, mais 87, on prend, hein. Vraiment les gars, on se prive pas. Hein. On se prive pas de notes ici, ça va nous aider et c'est clairement ce qu'on recherche hein, sur le fait d'avoir vidé le club, 87 animés et franchement les gars, non. Alors je sais pas si j'ai de la chance ou pas, mais moi je suis vraiment content du nombre d'animations qu'on fait, parce que vraiment, on est bien là, on est bien. Là ça va nous aider masse à faire les SBC quoi. 84 Pellegrini, ok, nice. 83 Fabian, ok. Un petit Futis pour la route? Non. Sulet, ok. Je crois que c'est le dernier, je crois. Ah non, il en reste encore 5. Nice. Pépé. Et les gars, on fait des notes, hein, en vrai. Smeichel, ok. Y a pas le top joueur, hein. Mais, mine de rien, et ben, on fait les petites notes. Et du coup, ça va nous aider. Oh là là, Anthony évolutif, magnifique, qu'on avait, hein, fut un temps dans le club, qui a été remplacé maintenant par une meilleure carte. Oh là là, et puis derrière un Bassonnier. Non, franchement les gars, regardez toutes ces cartes spéciales, toutes ces notes qu'on a reçues. Non, franchement, c'est propre. Et voilà, là c'est bon. Hop, tous les joueurs ont été mis. Mais on voulait récupérer Monsieur Chardan Shaqiri double 5 étoiles. En plus, qui rentre dans n'importe quel effectif parce qu'il a la petite couronne. Donc du coup, au niveau du collectif, c'est pas un problème. Et nous, ça nous fait plaisir. Et je pense qu'on va le jouer, hein, clairement dans l'équipe. Même voilà, je pense qu'on va le jouer à la place d'un attaquant. Je pense que dans la logique, Cantona va peut-être sortir. On va faire rentrer Shaqiri. Bruno va prendre la pointe et puis Shaqiri jouera sur un côté ou Shaqiri en pointe. Je sais pas encore. On verra. Peut-être Shaqiri en pointe même. On verra un peu ça donne. Ok, donc ça c'est fait. Donc là maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est ouvrir les petits packs qu'on a ici. Et après, on aimerait bien faire le choix métamorphosé pour voir si on peut pas choper un Bruno pour récupérer les crédits. C'est le truc qui va être incroyable, c'est possible. Si on peut chatter ça, ce serait ouf, quoi. Voilà, si on peut chatter une fois vraiment de ouf, ce serait là. Un petit Bruno Fernandez en métamorphosé. Comme ça, on peut récupérer les crédits. Allez, pack 2 joueurs, 83+. Belge, défenseur droit, Meunier, 84. Pas ouf. Pack 3 joueurs, 85. En tout cas, animé, c'est déjà très bien. Portugais buteur. Ah non, MOC, Bruno. Ah non, MOC, Monsieur Bernardo Silva, 88. Encore mieux au niveau de la note. Immobilier Skriniar, très bien. 3 animations, on prend. Et derrière, le dernier, pack 10 joueurs 84+. Faudrait chater là, s'il vous plaît. C'est pas là où il y a les meilleures notes. Hein. C'est pas là où il y a les meilleures notes. 87 Sanchez, mais ça peut cacher derrière.
Ok, 86, 80, ok, 88, 80. Ah non, c'est un beau pack, hein, c'est un beau pack, on va pas se plaindre ici. Et on a Meunier à balancer en priorité et le Gunther. Ok, Meunier Gunther. Allez, pack joueur Tots, je vous rappelle, Varane, Rashford, s'il vous plaît. Allez, anglais. Oui. Ah, dommage. Trippier. Bon, voilà, très bon joueur à balancer. Allez, il est là, le choix joueur métamorphosé 93+. C'est maintenant, les gars. Vas-y, on va se mettre les drapeaux. Et s'il n'y a pas le bon drapeau, on enlèvera. On veut du drapeau portugais, absolument. En métamorphosé, c'est ce qui va nous intéresser. Je suis en train de réfléchir à qu'est-ce qu'il y avait comme joueur métamorphosé. Il y a quoi comme joueur, comme gros joueur métamorphosé que c'est la meilleure win, en vrai? Ah, Martial aussi, ouais, Martial. Vas-y, on va cibler Martial et c'est tout. Hein. Le reste, limite, soit on a déjà, soit ça nous intéresse pas plus que ça. Félix aussi, ça, c'est sympa quand même, tu vois, dans le gameplay, je pense. Martial ou Pogba, un des deux, je serais content pour tester, en vrai. Donc lui, on s'en fout, lui, on s'en fout. Déjà possédé, c'est à Maguire, et tout va jouer là. Maguire, on l'avait acheté ou pas? Je me souviens même plus. Ah si, Maguire, on l'avait acheté. Donc au pire, Maguire, au moins, on récupère 100 000. Merde, j'ai vu. Je suis un connard. Bon, bah, j'ai vu, je suis désolé. C'est pas ouf. Ok, on va prendre Maguire. Désolé, j'ai voulu vous faire le suspense, mais non. Ok, français Giroud. Bah, vas-y, Maguire, ça va être le nôtre vendu, du coup. Hein. On a quand même fait 76 matchs avec lui. On l'avait payé 180 000, il doit avoir baissé de ouf, voilà, 130 000 maintenant. Mais bon, bah, ça fait 130 000 dans la besace, hein. On va pas se plaindre, on va mettre à 120. Et on liste Maguire, et on récupère un Maguire non vendable. Donc, ça reste quand même une bonne opération par rapport au fait où, grâce à ça, on va pouvoir s'acheter Raphaël Varane maintenant dans l'équipe, parce qu'on aura assez de crédit pour le faire. Donc, ça, c'est une très très bonne nouvelle, au final. Petit match pour tester Shaqiri. Ouais, en vrai, la flemme. Ah! Et ben voilà, les gars, c'est maintenant. Hein. On a vendu Andrei Shevchenko. Donc, du coup, c'est maintenant. Et ben voilà, on l'a chopé à 325 000. Pas mal, cool. Et le voilà, le Raphaël Varane à pop. On est plutôt pas mal.